ficelé ou serré. Gigo bichi bigote, à ficelé ou serré. À vous femme trois effonds de sourier on tché. Qu'il bouddhise plus vingt ans dans le même fabrique d'acier. Plus 20 ans dans la même fabrique d'acier. Qui qu'est-ce que tu crées de moi, Ratchi se liste lit. Donc la zone est un endroit culturel, effectivement, qui a été créé en 1991. C'est une maison de jeunes à la base, donc c'est une maison qui est subventionnée par l'État et qui est là pour s'occuper en fait des jeunes. Sauf qu'on a un statut un petit peu particulier, on a un statut où on n'accueille pas les jeunes dans une salle à faire du kicker, mais où on accueille des jeunes et des moins jeunes pour réaliser des organisations d'événements culturels, pour finalement rendre les gens plus acteurs de leur culture que consommateurs bêtes, je paye mon ticket, je vais au concert, je paye à boire, puis je rentre chez moi. Ici, l'idée est plus d'inciter les gens à créer leur événement, à créer leur culture finalement, à donner un espace à ces cultures qui sont minoritaires, pour que les gens s'y retrouvent aussi. Donc c'est plus mélanger les cultures, inciter les gens à se bouger, faire finalement du DIY, quoi. On a beaucoup d'activités qui tournent autour de juste l'organisation. Il y a des tas de partenaires qui organisent des concerts, évidemment, c'est la partie de l'iceberg que tout le monde voit. On est ici devant une expo qui est mensuelle aussi, qui est généralement proposée par des jeunes artistes, jeunes dans le sens où ils débutent, pas nécessairement dans le sens de l'âge. On a aussi quelques ateliers, un atelier MAO qu'on appelle ça, c'est un atelier qui s'occupe de la musique et de la vidéo par ordinateur. C'est un atelier d'échange de savoir, c'est pas un atelier où il y a un moniteur qui vient expliquer faites ceci, faites cela. C'est plus des gens qui se rassemblent et qui partagent leur savoir pour avancer dans la connaissance d'un média, en l'occurrence la musique ou la vidéo sur ordi. On a aussi un atelier d'écriture qui a lieu une fois par mois pour apprendre aux gens qui ont envie à s'exprimer oralement, principalement. C'est un atelier d'écriture, mais ça prépare à l'oralité. En fait, c'est en parallèle avec la scène slam, qui est mensuelle aussi ici. Donc, si on a envie de faire du slam et qu'on se sent un peu perdu, ben, on a un atelier qui prépare à ça. Et on a un atelier scénographie qui est en train de se mettre en place aussi, qui sera aussi sur le modèle de l'échange. Mais par rapport ici aux produits qu'on va utiliser, il n'y a que les films transparents qui fonctionnent. Et puis, on voit que c'est du noir dessus. Donc, il faut principalement toujours du noir. On peut utiliser des marqueurs qui sont plus froids aussi, donc ça je vous montrerai les alternatives. Et pourquoi du noir? En fait, c'est parce que c'est la couleur qui va moins laisser passer la lumière. Donc vous pouvez regarder, le soulever comme ça à la lumière, vous allez voir que le noir ne laisse pas du tout passer la lumière. Donc c'est un noir qui est plein, et on appelle ça donc un noir qui est inactinique. Donc il ne laisse passer vraiment aucune lumière. La première qui marche très très bien, et qui coûte vachement moins cher, c'est un imprimeur quelconque, genre sur le boulevard de la Constitution, un bête imprimeur. Vous arrivez avec un fichier, et vous pouvez sortir donc sur celle-là. Je pense que ça va coûter 1,50€ le film. Donc ici, on voit le noir n'est pas aussi profond. Donc, beaucoup de concerts, quelques cabarets, du théâtre, toutes sortes d'événements culturels, quoi, finalement, sans restriction et sans a priori. On n'a pas des trucs qu'on exclut de soi, on exclut en fait des façons de faire, on exclut des manières de travailler qui sont basées sur simplement la consommation, quoi. On aime travailler avec des gens et faire des choses ensemble, quoi, finalement, créer des événements. Mais à la zone, il y a beaucoup de musique, il y a peu de groupes qu'on connaît. Donc quand on voit une affiche, ben on se dit « Ah ben qu'est-ce que c'est que ça, je ne connais pas ce groupe-là, donc ça ne m'intéresse pas ». Ce qui est bien à notre époque, c'est que maintenant, pour entendre la musique d'un groupe, il suffit de cliquer trois fois sur Internet. Donc on entend la musique, tiens, ça me plaît bien, je viens. En fait, la zone est un endroit de découverte.
Simplement, il ne faut pas s'attendre à venir à la zone en voyant des trucs qu'on connaît. Le but est de venir ici en découvrant des nouvelles choses, des nouvelles sonorités et des trucs qui finalement rentrent dans la tête et nous découvrent en nous une nouvelle passion, quoi. On peut se découvrir une passion pour n'importe quel style de musique, pour n'importe quel style graphique, juste en essayant. C'est un lieu où on peut essayer des choses. Les entrées sont pas chères, les boissons sont pas chères, il y a moyen de passer des soirées pas chères en essayant des trucs. Donc il y a des soirées où on va venir où finalement, ah ben j'ai essayé ce concert-là, mais ça m'a pas plu, donc j'essaierai plus ce style-là. Par contre, il y a aussi des séances surprises, tout d'un coup on arrive et tiens, je ne savais pas que ça existait. Tiens, oui, il y a toute une scène qui existe mais qui était cachée. Tout d'un coup, je vais me renseigner. Bon, donc c'est un endroit qu'il faut prendre comme ça, comme un endroit de découverte. On vient, on découvre un truc, on l'aime ou on ne l'aime pas, et puis on peut essayer d'autres choses après, on peut se renseigner soi-même dans la scène, on peut... Enfin, il y a plein de choses à essayer. C'est un endroit d'essai, quoi. C'est un endroit où on peut se lancer sans a priori, sans vraiment être prêt à ce qu'on va voir, quoi. C'est un truc où on n'est jamais prêt puisqu'on ne sait pas ce qui va passer. Aidez-moi où est la faille. Hey, hey, what do I want, yeah, yeah. Hey, hey, what do I want, yeah, yeah. Petite main, minuscule trésor, ton souffle plus doux que l'air, ton regard à l'arrivée, mille instants d'éternité. Hey, hey, what do I want, yeah, yeah. C'est chaque fois des musiques différentes, interprétées par des gens qui sont à fond dans leur truc et à qui personne ne dit « tu dois faire comme ça pour rentrer dans le schéma, le gros truc pour pouvoir vendre ». C'est des gens, ils vendent leurs disques qu'ils ont gravés eux-mêmes, c'est des gens, ils font leur musique sans concession. Et comme généralement la musique sans concession ou l'art sans concession, ça fait du bien ou ça fait du mal, mais ça fait des choses. Et finalement, c'est le but de l'art. C'est... choquer un peu, c'est émerveiller, c'est répulser, c'est donner des émotions, quoi, finalement. Ben, des émotions, vous avez, y en a ici, en permanence, quoi. Donc les concerts à la zone, c'est la chose que le public voit le plus. On n'a pas d'a priori sur le style, effectivement. Ce qu'on a, c'est qu'on recherche un partenariat avec l'organisateur. On est ouvert à toutes sortes d'organisations, de concerts, toutes sortes de musiques. Je veux dire, on ne s'est jamais dit, tiens, on ne fera jamais d'accordéon, on ne fera jamais de ceci, cela. Ce qu'on s'est dit, c'est qu'on ne travaillera pas avec certaines personnes. On travaille avec des gens qui sont passionnés par leur scène, qui nous proposent... que ça soit du hardcore ou du jazz, entre les deux, toutes les différentes teintes. Et la manière de faire avec eux fait que finalement, ils viennent par plaisir et par envie de partager leur passion, plutôt que pour faire du fric. En gros, la manière de faire qu'on impose
empêche les gens de faire des sous. Ça veut dire que tout d'un coup, ben, on a des gens qui sont totalement passionnés par ce qu'ils font, qui proposent des groupes qui sont pour eux essentiels dans leur scène. Ils vont chercher vraiment le meilleur de partout, et on a tout d'un coup, ben, des affiches extraordinaires portées par des gens qui s'y connaissent à mort dans ce qu'ils proposent. Alors que si on était, je veux dire, une salle de concert banale où on organise tout, on programme tout nous-mêmes, on serait finalement obligé d'être expert en même temps dans leur corps et en même temps dans le jazz. C'est quand même un peu antinomique dans la tête des gens, ça peut susciter un peu des schizophrénies. Donc ici, ben, c'est se servir de l'énergie des gens et de leur passion pour proposer au public quelque chose d'assez extraordinaire à chaque fois. Extraordinaire par la matière qui est proposée, évidemment pas spécialement par le public qui va venir. On fait beaucoup de concerts avec 20 personnes, on en fait aussi où il y a plus de 200 personnes, avec des gens qui attendent sur le quai et tout parce qu'il n'y a pas assez de place, c'est clair. On était créé en 91 par des personnes qui avaient envie de se sédentariser dans l'organisation des concerts. Il y avait beaucoup de punks à ce moment-là qui essayaient d'organiser à gauche à droite, mais c'était très difficile de trouver une salle parce que quand on a une salle toute vide, il faut louer du matos de sono, il faut louer un bar, il faut tenir le bar, il faut nettoyer le lendemain immédiatement, on ne sait pas où loger les gens. Enfin bref, des tas de contraintes qu'on a quand on est nomade en fait dans l'organisation. Et les personnes qui ont créé l'endroit ont eu envie de se sédentariser, d'avoir un endroit à eux qui pouvait évidemment accueillir plein de choses, mais spécialement des concerts punk à l'époque. L'idée du début était directement d'être fort éclectique. Mais les gens qui étaient dans les cultures minoritaires, la décision était de favoriser ce genre de culture qui ne trouvait pas un endroit où s'exprimer facilement autre part. Mais dans les cultures minoritaires en 91, il y avait beaucoup les punks, effectivement, et toutes les musiques dures, les musiques métal, les hard rock et les machins comme ça. Donc dès le début, ben, il y a eu beaucoup de punk, beaucoup de métal, et ça a donné finalement une couleur à l'endroit qui reste toujours maintenant, malgré que si vous regardez bien le programme qu'il y a pour l'instant, c'est relativement éclectique. La teinte punk, la teinte métal reste toujours dans la tête des gens. Je crois que c'est aussi lié au fait qu'on essaye de se démerder avec ce qu'on a. Ça se voit aussi dans l'état du lieu, je veux dire, tout est réparé par nous-mêmes, et donc c'est pas toujours super, mais tout tient, tout est fait pour que ça soit pratique. Il y a beaucoup de débrouilles, tout ça se ressent fort, je pense, donc on assimile ça au punk, et effectivement, le mouvement punk est aussi un mouvement qui se revendique du DIY. Faites-le vous-même, démerdez-vous vous-même, n'attendez pas qu'on vous le fournisse, si vous avez envie d'un truc, ben, faut se bouger, quoi. Donc tout ça reste dans l'esprit, on a gardé, je crois, enfin, à notre point de vue, ce qui était bon dans toute
toute cette politique, dans toutes ces manières de faire, dans toute cette manière de vivre, quoi, finalement. Et bon, ça reste, mais c'est pas un truc dont on est honteux du tout. C'est effectivement quelque chose, c'est pour nous un label de qualité. Être labellisé punk, ben, on ne voit que le bon là-dedans, quoi, réellement. Si vous en parlez à ma mère, ben, ça va être un peu plus difficile. Pour ma mère, les punks, c'est un peu, enfin, elle sait pas bien ce que c'est. Mais une fois qu'on a vu, ben, on sait que les punks, c'est des gens qui se démerdent eux-mêmes, qui sont solidaires, qui sont tolérants, excessivement tolérants, qui se battent pour des causes politiques que nous adoptons aussi, quoi, finalement. Qui sont la tolérance et le respect de l'autre, quoi. En fait, l'alternatif, évidemment, évolue avec l'époque. Ce qui était alternatif à cette époque-là ne l'est plus nécessairement maintenant. Les valeurs le sont sans doute toujours, parce que finalement, les valeurs de pognon en 91 étaient toujours les valeurs de pognon ici, à cette époque-ci. Par contre, les minorités culturelles que nous aimons fréquenter ont changé elles aussi. Finalement, je crois que le mot punk est devenu un mot un peu à la mode, même les minettes de 16 ans revendiquent sans savoir du tout ce qu'il y a comme politique derrière. Par contre, il y a des nouvelles cultures minoritaires, des cultures qui ont difficile de s'exprimer en dehors de leur ghetto, je vais dire, en dehors de leur petit quartier. Il y a toute la culture queer, gay, lesbienne, qui est en train de sortir de, justement, leur ghetto. Il y a la culture hip-hop et rap qui est toujours très mal notée et très, très mal connotée. Enfin, il y en a plein, des cultures minoritaires. En fait, si vous vous retrouvez pas sur MTV, vous faites partie des cultures minoritaires. Voilà. Et un de nos buts est effectivement d'essayer de mélanger toutes ces cultures, mélanger tout le public qui vient, mélanger aussi les gens qui viennent nous aider en tant que bénévoles, tous les partenaires organisateurs, que tous ces gens se rendent compte et en fait se rendent compte qu'ils ne sont pas fort différents, qu'ils peuvent fonctionner ensemble. Enfin, ça a l'air un peu mégalomane comme ça, mais en fait, à notre tout petit niveau, ben, on permet aux gens de faire ici des concerts hip-hop et en même temps de faire un festival queer tous les ans. C'est clairement deux publics, deux organisations qui sont antinomiques à la base. Donc, ça se passe super bien. Il y a des gens qui viennent au truc queer, qui venaient au hip-hop et qui découvrent tout un monde hyper coloré. L'inverse est vrai aussi. Donc, enfin, je prends juste ces deux trucs-là, mais il y en a plein des cultures comme ça qui ont difficile de s'exprimer en dehors de leur cage, quoi, finalement. Donc ici, ben, c'est un peu notre but, c'est d'aller rechercher les cultures comme ça et puis de les mettre en valeur, de leur donner un espace où ils peuvent s'exprimer, quoi. Donc c'est un autre but, ouais. Moi, je me bouche les oreilles pour ne pas être infesté par la rumeur extérieure. La connerie ambiante me donne des aigreurs. Règle dictée par un slogan qui te désarme. Le vide est trop grand dans mon âme, assiégé par des racolages intéressés. Tu connais mieux le mot publicité que les mots dignité, respect et liberté. Alors tu consommes et tu te consumes jusqu'à ce que sonne l'alarme qui disperse la brume. Tu sens que tu deviens leur bête, leur créature artificielle, plus capable de penser par moi-même, condamné à perdre ma vie, à la gagner, pour leur donner les derniers deniers que j'ai gagnés à la sueur de mon front malhonnête. Sentiment de défaite. En fait, je suis à côté d'eux dans cette grande fête macabre où valsent des cadavres. Moi aussi, je suis opaque, entouré d'esprits opaques, à manger des pâquerettes, un putain d'animal, ennemi du bien, ami du mal, et scotché à leur morale si belle et si bien construite, étudiée pour créer le fric. Si tu veux être un vrai mal, alors achète tes couilles et vends ton âme.
Merci. Ben, l'alternative, par définition, est un truc qui n'est pas bien défini. C'est bien défini, c'est ce qu'on trouve un peu partout, tout le monde connaît par cœur. L'alternative se crée au jour le jour. Il y a des gens qui sont alternatifs, ils ne se rendent même pas compte. Par contre, l'alternative est toujours difficile d'expression. Donc, c'est un objectif aussi de pouvoir leur donner un espace d'expression, que ce soit en musique ou que ce soit dans d'autres formes d'art, évidemment. On est fort spécialisé en musique par notre histoire, mais vous voyez qu'on fait aussi des expositions et il y a parfois des expositions qui ne sauraient pas se montrer n'importe où, quoi, réellement. Sans concession, quoi. Ici, on tombe sur une exposition de bande dessinée de Pays Basque qui est fort intéressante et tout, mais qui est plus passe-partout que certaines autres qu'on fait. Ouais. Sans parler de qualité, c'est juste une question d'être abordable par un grand public, quoi, simplement. Quand c'est des BD des cases, le public belge est fatalement éduqué à lire des cases de BD. La zone est un lieu où on vient pour s'exprimer. En gros, si on a une idée d'expression, la zone est là pour accueillir ce genre de choses. On a une infrastructure, on la met à disposition de gens qui veulent s'exprimer du côté artistique du truc, mais ça peut être aussi du côté politique. Ça peut être donc on se considère un peu, encore une fois, en toute modestie, comme un service public. On est payé par l'État, clairement, c'est un endroit subventionné. On se met au service de la société, quoi, finalement, qu'on l'aime ou pas. Ici, on essaye de faire quelque chose qui ressemble un peu, et on est au service des gens qui viendraient proposer des choses, et qui pourraient prendre place ici, effectivement. Alors, la zone organise des concerts, en général les week-ends, font des gros concerts un peu rock'n'roll alternatifs, mais ils ne font pas que ça, ils organisent aussi le jeudi, donc en semaine, attention c'est en semaine, une table d'hôtes, ça s'appelle les jeudi gourmands de la zone. Ça fait quand même pas mal d'années que ça existe. Alors le principe en gros, c'est qu'il y a un chef d'équipe, un responsable, donc voilà, qui s'occupe de préparer, donc d'acheter les victuailles, de préparer, de les vendre et de faire vivre un peu le lieu. Puis voilà, c'est convivial, on se démerde pour amener des gens. Moi, ce qui me concerne, c'est d'amener, je fais un petit cabaret, je profite qu'il y a des micros qui traînent, un ampli qui traîne, pour faire un petit cabaret, chanson française, en général, chanson française. Et puis je sers toujours mon petit plat, cabaret couscous aphrodisiaque. Donc voilà, on essaye de s'amuser et puis on remercie aussi la zone de faire confiance un peu à des gens comme ça. Sans un bagage. Ici c'est Lisbonne, la longue route des épices. Odeur de poivre, cannelle, coriandre perdu à Leech. Les piments de Thaïlande taquinent ceux de Cayenne. C'est un quartier qui vient d'ailleurs et d'ici même. Donc, la distro de la zone existe depuis pratiquement 20 ans, depuis presque les débuts de la zone. Elle est depuis 20 ans gérée entièrement par une équipe de bénévoles. Donc, la distro, c'est un réseau de distribution alternatif. En gros, on est un peu comme un magasin sans être un magasin. Disons qu'on propose peut-être des choses qu'on ne trouve pas ailleurs.
à des prix défiant toute concurrence, parce qu'on prend très peu de marge dessus. Donc on vend, ça peut aller du CD au vinyle jusqu'au t-shirt, au fanzine, badge, écusson, bouquin. Et donc en général, ce qu'on peut trouver à la distro de la zone, qui est ouverte, je le rappelle, pendant, généralement elle est ouverte pendant tous les concerts qui se passent ici. Parfois lors de d'autres moments plus exceptionnels, ça peut être ouvert de temps en temps à un jeudi gourmand, ou quand il y a un cabaret au rez-de-chaussée, ou quand il y a un vernissage, ça arrive qu'on ouvre une partie de la distro ou carrément les trois bacs. Et dedans, ce qu'on peut trouver, ben, il y a principalement les groupes qui viennent jouer chez nous, avec qui on a un contact privilégié, puisque c'est avec eux directement ben, qu'on traite, entre guillemets. Donc ils nous laissent souvent des pièces en dépôt-vente. Donc principalement les groupes qui viennent ici. Mais alors grâce aux groupes qui viennent ici, ou aux auteurs de bandes dessinées, aux slammeurs, tout qui a quelque chose à proposer matériel, on crée beaucoup de contacts, par exemple avec des labels, avec des groupes qui nous recommandent tel fanzine de sa région. Et puis voilà, comme je le disais aussi, c'est pas un magasin, ça veut dire que les gens, ce qu'on veut d'abord, c'est que ce soit convivial, que l'espace soit agréable, que les gens aient envie de venir fouiller dans les bacs, poser des questions, découvrir des choses qu'ils ne découvriront peut-être pas ailleurs, et sans obligation d'achat, quoi. L'intérêt, c'est de discuter, de rencontrer des gens, d'autres collectifs, d'autres groupes, d'autres assos, et de mélanger un peu tout ça. Oh, oh, oh.